Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, au salon Eurobois. Et ce matin, nous avons assisté à une conférence organisée par Fibra. Et cette conférence était destinée à présenter des outils permettant d'optimiser l'activité des entreprises du bois. J'ai avec moi les intervenants à cette conférence. Les premiers ont présenté la plateforme d'échange Emobois. Christophe Ginet du FCBA, bonjour. Bonjour. Et David Portron de l'Union des coopératives forestières. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe Ginet, qu'est-ce qu'Emobois ? D'accord. Alors Emobois est l'opportunité pour une entreprise d'échanger des informations avec ses partenaires, qu'il s'agisse de clients, de fournisseurs ou de sous-traitants, et échanger ces informations au travers d'un standard d'échange de données et d'un service sécurisé, confidentiel, qui garantissent l'acheminement des messages. Emobois est une action qui est coordonnée par France Bois Forêt, en accord avec les différents acteurs de la filière. Pour une entreprise qui dispose d'un système d'information, c'est assez transparent. Tout se passe à travers son interface, qu'elle a l'habitude d'utiliser au jour le jour. Et pour une entreprise qui ne posséderait pas d'outils informatiques, c'est l'accès à une connexion Internet qui lui permet, via une interface web, eh bien, de participer aux échanges de données. Très bien, merci. David Portron, cette plateforme Emobois a été appliquée à certaines coopératives forestières ? Oui, tout à fait. Nous avons mis en œuvre cette plateforme dans le cadre d'un pilote. Et on a vu tout de suite les bénéfices pour ces coopératives. D'une part, sur le point de vue financier, parce qu'on a une interface unique développée pour le système d'information qui permet de discuter avec X interlocuteurs, que ce soit nos clients ou nos sous-traitants. Et là, on fait réellement des économies. C'est-à-dire que finalement, on a à chaque fois, dans le cas contraire, l'obligation de développer une spécificité pour échanger avec un client ou un sous-traitant. Là, un langage commun permet en un seul développement de faire cet échange. Donc vraiment une économie et une économie de maintenance derrière. Le deuxième point qu'il ne faut pas négliger, c'est également le gain de productivité. C'est-à-dire qu'on reçoit des messages qui sont intégrés automatiquement et on émet automatiquement des messages. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de personnel pour faire cette saisie. Et donc le personnel qui était dédié hier à ces tâches de saisie peut être exploité pour faire des tâches un peu plus valorisantes. Donc il y a des économies qui aujourd'hui se traduisent par l'équivalent d'un ETP pour 5 ETP hier. Donc simplification et évidemment optimisation, on y est. D'accord. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Alors, Pierre Mauchamp, de la société Mauchamp, vous avez présenté le système ERP. Alors, dites-nous en quelques mots de quoi il s'agit. Ben, si vous voulez, aujourd'hui, l'ERP Synergie permet de répondre à l'attente de tous les industriels du bois. Cette solution couvre l'intégralité du spectre fonctionnel dont ont besoin donc les acteurs de la filière. Et aujourd'hui, la filière bois a besoin d'améliorer sur tous les plans son organisation, ses process, son outil de production. Et la solution que nous proposons est en mesure de répondre à cette attente. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Frédéric Blanc, vous avez utilisé, mis en application ce système dans votre scierie. Quel a été le bénéfice ? Oui, ça fait déjà quelques années qu'on l'utilise. Depuis les années 90, l'informatique est rentrée dans la scierie. Au niveau des achats de bois, au niveau des achats de bois debout, au niveau de la gestion des achats de bois debout, et la commercialisation, tout ce qui est commercialisation, BL, facturation et comptabilité. Aujourd'hui, entre-temps, on a mis les systèmes de cubage sur les parcs agrumes qui entraînent les volumes entrées scierie. Derrière, ça nous donne pour l'exploitation forestière, bûcherons, débardeurs, transporteurs et propriétaires. Demain, c'est-à-dire d'ici quelques mois, on va rajouter à l'intérieur de la scierie, on va essayer d'améliorer les rendements matières et les rendements valorisés par rapport à la base de données de nos commandes afin d'être plus productif.
Et si on est productif, on sera certainement un peu plus compétitif sur les marchés. Donc on a tout à y gagner. Merci beaucoup. Alors, pour finir, Céribois, donc Rémi Caillé, vous avez présenté Bonjour, vous avez présenté le logiciel de calcul de performance Cerisalis et vous êtes accompagné de Lucas Pinoli de la société Grosjean, bonjour, qui va, lui, nous apporter son témoignage sur l'utilisation de ce logiciel. Alors, qu'est-ce que c'est, ce logiciel Cerisalis ? C'est un logiciel pour le menuisier qui lui permet de sortir les calculs thermiques dont il a besoin, le UW, le SW. Il en a besoin pour le crédit d'impôt, pour la RT 2012, pour le marché public. Avec Cerisalis, il peut sortir des notes de calcul notifiées par Céribois directement depuis chez lui en toute autonomie sur tout type de chantier, que ce soit du cintre, du châssis composé, du châssis standard. Il peut sortir ses notes de calcul en autonomie. Merci beaucoup. Donc, Lucas Pinoli, vous l'avez utilisé, vous l'utilisez ? Oui, nous sommes une menuiserie d'une vingtaine de personnes. On fait 1200 menuiseries par an à peu près pour situer notre menuiserie. On l'utilise assez fréquemment pour les appels d'offres où on demande systématiquement les performances des menuiseries. Donc à chaque fin de chantier, on remet le dossier avec tous les performances thermiques des menuiseries individuelles. Et puis pour la RT 2012, pour le particulier, pour qu'il bénéficie du crédit d'impôt. Qu'est-ce que ça a apporté ? Qu'est-ce que ça vous permet d'optimiser ? Ça nous permet de... C'est une valeur ajoutée et c'est un réconfort pour le client pour qu'il sache que sa menuiserie est bien conforme par rapport à ce qu'il a commandé. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs.